Alors moi, je m'appelle Damien McDonald, je suis dessinateur de bande dessinée et je suis aussi commissaire d'exposition. Le NMNM, Nouveau Musée National de Monaco, est une institution dirigée jusqu'à cette exposition par Marie-Claude Beau, qui est une dame qui a créé de multiples musées et qui a une vision de l'art transversale et pluridisciplinaire et qui chérit avant tout un sens de la liberté, valeur autour de laquelle nous nous retrouvons et qui justement est une des valeurs centrales de la bande dessinée. Alors les œuvres sont rassemblées autour des premières acquisitions que Marie-Claude Beau a fait pour le musée de Grenoble au milieu des années 1970, à l'époque où la bande dessinée était encore plus déconsidérée, ce qui lui a attiré les foudres des institutions et c'est cette collection à laquelle nous avons accolé des collections absolument somptueuses et rares, qui sont celles qui appartiennent à Bernard Mahé et à Pierre Passebon et qui ont eu la générosité de nous faire bénéficier de collections historiques. Je crois que notre désir en construisant cette exposition à plusieurs a été de transmettre l'amour de la bande dessinée, l'amour de cette forme d'art qui respecte la marginalité et qui, espérons-le, rende contagieuse le désir de liberté.